Salut tout le monde, on se retrouve, la petite vidéo, je fais l'intro après, je suis le lendemain de ce que vous allez voir en vidéo, mais une session au leurre de surface, assez compliquée, poisson pas très réceptif, mais vous allez voir, je vous explique dans la vidéo pourquoi je pêche là, comment je pêche là, comment j'aborde un poste au leurre de surface, je vous explique tout. En tout cas, moi je m'amuse bien en ce moment au bord de l'eau, je fais pas mal de poissons. C'est le top, mon nouveau combo qui me plaît énormément, la Conflict Elite, la Pen Conflict Elite en 2m44 et le Pen Authority en 2500 récupération rapide. Ça me convient hyper bien, mouliné totalement étanche, moi dans mes conditions où des fois je nage, je suis avec ma combi, je fous plein d'éclaboussures d'eau sur les moulinets, etc. Mouliné qui me convient très bien, la canne elle me convient hyper bien, donc je m'éclate bien en ce moment. Donc voilà, pêche au leurre de surface classique et des petites animations classiques, pas très rapides. Là j'ai un leurre de 14 cm pour ceux qui voudraient savoir. Je suis toujours accompagné de ma Conflict Elite en 2m40 et de mon Authority en 2500. Je viens de faire un joli poisson, malheureusement la caméra n'était pas allumée. En gros il a fait chaud toute la journée. Pas de vent du tout de la journée, ou un vent de chaleur. Ce soir il y a eu un gros trou d'air, et puis là le vent a repris, un vent de nord, ouais, nord-nord-est là, c'était pas vraiment prévu, mais bon c'est pas grave, je vais débrouiller avec ça. Je sais qu'il peut y avoir des très beaux poissons ici, on va insister. Comment ça se passe devant moi là, il y a une avancée rocheuse et entre l'avancée rocheuse et moi il y a un éboulis de cailloux et il y a un courant en fait, et un petit courant qui passe sur les cailloux. Il y a un petit courant qui passe sur les cailloux, donc il y a des poissons qui se promènent là-dessus. Ce serait cool que je puisse en faire en surface pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Et il n'y a pas beaucoup d'eau là, il n'y a pas grand chose en eau, il doit avoir 1m50, 2m grand max à certains endroits. Il peut y avoir des sacrées fiches là dedans quand vous pêchez leur surface. Généralement bon, c'est des leurres qui se lancent très loin souvent. Donc vous le lancez, quand il touche l'eau, je vais vous lancer après. Faites lancer. Et dans l'animation, quand il touche l'eau, quand il est loin de vous, il vaut mieux faire canne haute. En l'occurrence là mon leurre, c'est un leurre avec une tête un peu biseautée, ce qui fait pas mal d'éclaboussures. Donc canne haute pour faire pas mal d'éclaboussures et que la bannière elle prenne pas trop dans l'eau. Et plus il arrive vers vous, plus le leurre en fait, en moulinant forcément. Il arrive vers vous, au plus vous allez descendre la canne pour la mettre au ras de l'eau quand il arrive vraiment sur vous. J'ai failli perdre mes lunettes. C'est vraiment ma pêche préférée de surface. Ça pêche vite, il y a de l'action, c'est hyper énervant. Et pour ceux voilà qui ne savent pas forcément, généralement leur surface c'est quand même quand l'eau elle est bien claire. Quand l'eau est bien claire. Bon, leur surface, moi je pêche quasiment qu'avec des. Enfin je pêche d'ailleurs. Qu'avec des coloris plutôt naturels, des coloris un peu lançons, des pinceaux du blanc. Quand le ciel est très bas. Très tard le soir ou très tôt le matin, le blanc ça marche toujours, sinon du coloris type un peu lançon ou même des coloris, enfin tout ce qui est naturel je privilégie vachement les coloris naturels. Quand vous pêchez au leurre de surface je pense privilégier des zones ciblées, en tout cas des zones pas profondes sur lesquelles vous pouvez observer qu'il y a vraiment quelque chose différent de ce qui est autour de vous. S'il y a un courant ou voilà des cailloux qui créent
des boules de courant, une zone pas profonde qui se démarque des autres. Il y en a partout, hein, les pointes rocheuses, les petites pointes rocheuses, etc. Il y en a partout sur la côte. Puis je vous dis, moi là, quand je vous dis de privilégier des zones voilà, un peu profondes, qui se démarquent un petit peu, moi ici c'est pas la première fois en soi que je pêche ici, mais à cette hauteur d'eau là et dans ces conditions là, c'est la première fois que je lance un leurre face ici. Hyper content de voir que ça fonctionne. Je fais deux poissons coup sur coup, j'en ai raté un en tout début de session. Je suis hyper content quoi. Il n'y a que comme ça, en y allant, vous allez savoir s'il y a des poissons ou pas, s'il y a de la vie, pas de vie. Voilà, démonstration. C'est pas un gros. J'ai vraiment pas un gros, mais. Voilà. Un petit bar. Trop cool.